Hey, c'est tout le monde, c'est Tenmo. J'espère que vous avez la forme. Par part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel objectif minière. Ça fait très longtemps, vous allez me dire, ouais, Tenmo, t'as pas d'objectif minière. Voilà, nous on veut des kamas. Je sais, les gars, j'étais parti en Espagne, mais bon, voilà, une semaine, on s'en fout. Et là, je suis en train de me faire mes kamas tranquillement. Donc, j'ai dû acheter pas mal de choses. Je vais vous dire ça. Donc, j'ai que la yopette de connecter. Alors, combien de kamas j'ai? J'ai exactement 64 986 000. Bon, voilà, on va dire qu'on a 65 millions. On va regarder si on n'a rien en banque. Donc, on va aller voir comme ça. Tac. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai perdu tes kamas, j'en ai gagné, j'en ai perdu, j'en ai gagné, etc. etc. On va faire des comptes rendus. On va peut-être faire quelques astuces si les prix de certaines choses ne sont pas trop élevés. Alors, c'est parti. Aucun kama. Donc, on va aller voir à l'âge des animaux. Alors, avant de. Bah, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai acheté pas mal de choses pour ma team. Donc, alors simplement, je me suis fait un Nénutroph. Donc, si vous ne le savez pas encore, j'ai un Nénutroph. Donc, là, pas encore connecté, mais en même pas une semaine, il est niveau 132. Donc, je suis prêt parce que je vais pas me faire de zobal. Niveau 132 en même pas une semaine, c'est correct. Et voilà, je suis très content. XP fois 1, voilà. Alors, la Yopette, par contre, la up 199 la semaine dernière, est déjà 27%. Donc, il faut que je screen, tac, voilà. Parce que je screen tous les pourcents pour faire une vidéo de 1 à 99%. Pourquoi ça met des petits trucs qui bug alors que je ne buguais pas? Alors, oui, j'ai beaucoup de fois alors, mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai en vente là? Donc, j'ai encore une coiffe objet à 3M4. Donc, j'en ai vendu une tout à l'heure à 3M3. Donc, vous voyez, les mecs font vite arnaquer. Donc, là, on va en acheter encore une. Donc, ça dépend, ils sont niveau combien? Tac, niveau 20. Non, on va pas en acheter. Voilà, on va acheter celle-là. On va la caser à 3M3. Et elle va partir tranquillement. On a le temps. Moi j'ai le temps, j'ai les kamas, j'ai le temps. Alors aussi, je tiens à faire une grosse dédicace à Ellen Deal. Donc tout simplement, vous voyez là, j'ai un Dofus pour, un Toucancre, Mimi Bioté, Féanor. Voilà, un Féanor, Mimi Bioté, un Toucancre. Et j'ai pas mal de boucliers, des petits objets à Mimi Bioté. Alors Ellen Deal a stoppé Dofus et il m'a donné son Dofus pourpre. Le 3 juin, il doit me donner son Dofus Émeraude, donc il n'est pas encore échangeable. Il m'a donné son Dofus pourpre. Le Bunchisha, le Maclier, l'Elo Cap, elle m'a donné aussi Chapeau Cap de Lone que je mets en vente parce que ça m'est inutile. Ça, je garde car ça va vraiment très classe. Et peut-être que je vais m'immigrer par la suite. J'ai un Bunchisha, très classe aussi. Et bah, il m'a donné un Féanor, donc c'est, vous voyez, le chat à 50 puissance. M'immigrer un Toucan que ça vaut, ça peut vouloir valoir. 14M, mais je le garde. Il m'a dit de le garder, donc je vais le garder. C'est une promesse. Donc là, je vous dis ce que j'ai fait. Ensuite, pour ma team, j'ai acheté une panne objet en plus. Donc la coiffe et la cape pour mon Nunu. J'ai acheté, donc là, je suis en 5 personnes. Donc j'ai acheté une coiffe objet en plus et j'ai acheté 5 capes objets. Donc c'est pour ça, sur mes personnages, j'ai 5 capes objets au lieu de mettre une autre cape de merde. Ça fait tout moche. Voilà, donc j'ai acheté des capes objets. J'ai acheté 5 Dofus Kawott, donc 5 Dofus Kawott par perso. Donc si vous calculez, ça fait 1M5 x 4, parce que j'en avais du rien. Donc ça fait 1M5 x 4. J'ai aussi acheté une Dragon Rose par personnage. Donc là, c'est une 50, mais bon, c'est pas très grave. Il y a une 50, c'est que des 50, c'est que des 50 sauf une, c'est une 55. Donc j'ai 4 dragons roses, donc 50-55, et j'ai un koala sanguin pour le nuque car ça coûtait moins cher, et comme je l'ai fait entre deux et que c'était moins cher, voilà. Donc aussi, pendant ce temps, j'ai réussi à faire un nonobstant exopéa que j'ai revendu 14 millions. Donc voilà, de toute façon, les prix en HDV là sont déjà 14 millions, et voilà, j'ai fait largement de rentabilité, sinon je suis sûr j'aurais pu le vendre 10e. J'ai changé de stuff, donc la Yopette a changé de stuff. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai tout fait moi-même, donc sauf les ceintures et bottes que Poecilia FM, donc dédicace à toi. Donc voilà, l'amulette Héroclite, je la garde, hein, on la revendra par la suite, ou on la gardera, ou on la gardera, ouais, on la gardera pour un autre personnage. Ensuite, le Kra, il est en Tengu, donc il est feu R, mais j'hésite à changer mon Kra en classe. Donc je sais pas, j'hésite à changer mon Kra avec une potion de changement de classe, avec un autre perso, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Donc si vous voulez, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît, en quel élément je pourrais changer mon Kra, sachant que j'ai Yopette Terre, Enifeu, Panda O et Enuo. Voilà, donc s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà. Donc pourquoi j'ai le petit sablier du Xelan alors que je ne lag pas? Très bizarre. Ah si, je lag. Alors ensuite, j'ai changé de stuff
Non, le panda, non, j'ai rien changé. Lenny, j'ai changé de stuff. Donc, je lui ai mis une Tengu comme à niveau 182. Voilà, donc le panda il est 188 et le croc il est bientôt 195. Le Lenutroph, je lui ai rien acheté pour le moment. J'ai dû acheter une Panneau Roi 5. Donc là, il est en 2 € le black, mais ça fait très longtemps que j'ai cette panoplie Sasa. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, je continue toujours mon élevage de familier. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, avec les Boarkies. Donc, on l'avait commencé, il est déjà 580 pods. Peki 32, 57, 530. 31, 330, 36, 41, 38, 39, 34. Voilà, donc on va nourrir lui pour qu'il meure. Voilà, on va laisser parce que c'est vraiment très classe tout cancre. Voilà, donc je compte up 200 pour début des grandes vacances. J'espère du moins. Voilà, donc j'ai pris quand même plus d'un milliard en une semaine. Je suis vraiment très content. Un milliard, c'est juste énorme. Alors. J'ai continué aussi mon élevage de dragonnades, donc je vais vous montrer. Donc si vous regardez pas mes vidéos de dragonnades, je vois qu'il n'y a pas énormément de vues. Donc je vais vous montrer ça. Donc là il y a mon père qui me fait bugger et c'est un petit peu chiant. Parce que à chaque fois que mon père est chez moi, en fait il me fait bugger et c'est ça qui m'énerve. Alors donc là je suis en train de monter mes dragonnades, hein, donc j'en ai déjà des fécondes. Vous voyez, j'ai sorti l'épisode non. J'ai sorti l'épisode jeudi, vous voyez, on a déjà des fécondes, alors que c'est des. Bah, c'est les femelles. Donc là ils sont en train de monter, ils ont presque toutes leurs caractéristiques. Hop, donc en haut à gauche normalement. Donc je tiens à faire une dédicace à Squelette Sombre qui m'a donné un couple de. Donc il est dans ma guilde. Il m'a donné un couple de Dragonnet Emerald et Rousse Pure. Et ils étaient déjà tous montés, donc j'ai juste dû leur passer 5 niveaux. Et je les ai accouplés tout à l'heure, donc voilà, je suis déjà en train de les descendre. Donc je vais vous faire une vidéo sur l'élevage complet, donc qui durera sûrement une petite demi-heure. Donc voilà. Elle, on peut la prendre et lui on va encore attendre un petit peu et on va la mettre dans l'enclos du bas. Tac. Donc ouais, j'étais motivé à faire un objectif mineur sachant que on a dépassé les barres des 700 abonnés. Donc je vous remercie énormément et moi mon objectif c'est d'avoir énormément d'abonnés. Donc là je suis en train de pousser pour en avoir 1000. Donc c'est pour ça que je vous mets pas mal de vidéos sur YouTube. Oh là là, il me fait bugger un truc de malade. Voilà, on va mettre celle-là dans l'enclos endurance. Bon, t'as fini. J'ai encore gueulé un long coup là. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore des choses en HDV. Je vais vous dire une petite astuce Kama que j'ai fait grâce à Poussilia qui m'avait un petit peu aidé, donc qui m'avait donné des ressources. Par contre, si je bug encore, ça le fait pas. Voilà. Mettre la DD, ça va être plus rapide. Voilà. J'ai appuyé sur Shift DD pour être plus rapide. Alors, on va aller à la banque. Donc, moi, j'ai presque plus rien à crafter. Hein, parce que j'ai fait pas mal de craft. C'est pour ça que je me suis bien rattrapé en cas. Parce que de 90 M, j'étais passé à 50 M plus l'exo et tout. C'est le gros bordel. Alors, une belle astuce quand même, c'est si vous avez pas mal de ressources, se trouve le portail Srambad. Donc, Srambad. Je sais la pause. C'est juste que j'ai envie de lui dire la pause. Srambad, c'est. Moins 25, moins 55. Et Enutrosaur. J'ai Enutrosaur, mais je sais pas si c'est carbon. Bon, Srambad, je pense que c'est là. C'était à l'heure s'il était là. Bon, il était là tout à l'heure parce que j'ai même pris pour faire le succès de mes personnages. Alors, une astuce, c'est tout simplement. Dans ma banque, vous avez vu, je paye combien? Donc je paye 2200, 2300 kara. C'est juste énorme parce que j'ai mis toutes les banques de mes persos. J'ai mis en une banque, c'est mieux pour faire des crafts. Donc alors, on va dans vos banques, vous regardez si vous pouvez crafter des choses. Donc là, je peux pas crafter des choses très intéressantes. Donc tolérance aux ingrédients manquants. Je vais mettre 1. Et là, je vais voir ce que je peux crafter et qu'il me manque une ressource. Donc là, je peux me faire la cape reski, mais j'ai déjà regardé, le cuir synthétique coûte énormément très cher comparé à la cape qui coûte en HDV. J'aurais même pas 200 000 de bénéfices et je sais même pas si ça se vend. Donc ensuite, j'ai rien. Donc vous voyez, ensuite, on fait 2. Tac, on descend. Là, je peux encore faire quoi? Des semelles, mais bon, voilà, je m'en fous un petit peu. Il n'y est pas, désolé. Ouais, je peux faire un chapeau lisson. Il manque un galet brasillant et des ailes du dramanite. Donc écoutez, on va s'en faire un. Hein. Donc je regarde pas le prix, hein, on se fait confiance. Alors on va prendre tout ça.
Qu'est-ce qui nous manque? Alors, œil de Dramanite, nous en avons deux. Ok, bah, on a tout. Il nous manque un œil de Dramanite, un galet brasillant. Vous voyez, on se le craft comme ça. Et on va juste chercher un tailleur sang. Donc, je rebug, bien sûr. Oh, il y a Kayla. Alors, Oscar. Yop, je suis en vidéo. Go, atelier, bon, ta coiffe. On va lui dire ça, il va comprendre. Il va nous remettre sa petite rune de signature. Donc, je le fais. Je lui dis déjà que d'aller à l'atelier. Un œil de Dramanite. Bon, ça coûte que dalle. Ok, j'arrive. Allez, on est parti chercher le dernier galet brasillant. On va se faire ça parce que même, vous voyez, j'aurais payé 100 000 kama à tout cracher pour une coiffe. Alors que le craft, il m'est complètement gratuit. Et même si j'ai 50 000 de bénéfices, franchement, j'en ai rien à se tirer. C'est juste la capreski, j'ai peur que ça se vende pas. Et chapeau les sangs, je vois des fois des personnes avec. Tac. Alors, tac. Voilà, j'ai dépensé 110 000 kama. Donc je vends aussi encore un guérisseur majeur. Donc voilà, un M9, on va arrondir. Et un remueur qu'on va encore baisser le prix. Comme ça, encore 9, 9, 9. Voilà, en espérant qu'ils se vendent vite. Donc on va à la Bonta. Donc voilà, j'ai encore deux trophées à vendre. Donc les trophées, c'est vraiment une belle astuce quand même. Surtout que le craft, il coûte rien du tout. Atelier, tailleur. Tac. On va aller crafter la petite coiffe. On va peut-être aller FM s'il faut. Mais j'ai peut-être pas le courage d'FM. Vas-y, go. Voilà, il est déjà prêt. Regardez, on parie combien il va mettre sa rune de signature. Tac, là. Rune de signature. Voilà. Ah, je savais. Merci. On va regarder le jet. Insérer la recette. Alors 250 vita. La vita, elle est pas trop mal. La puissance, elle est pas trop mal. Les CC, pas trop mal. Le PO, pas trop mal. Oh! C'est une belle coiffe multi. Et oh là, j'ai eu un beau jet là. Je pense pas que je vais le remonter. Donc 11 terre, 10 feu, 11 eau, 12 air. C'est un très beau jet. Et les retraits, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne à la maison, je sais pas c'est qui. Donc 5 résistances partout. My god. On va dire ça comme ça. Jet de fou quand même. Et les esquives, c'est 7. 7, 7, 7. Eh, pour moi, très 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 beau jet. On peut se faire quand même pas mal de commandes, on a eu de la chance. C'est vraiment cool. Donc là, désolé si vous entendez ma mère, hein. De toute façon, je descends pas. La flim. Alors, tac, chapeau lisson. À moins que je la garde si je me fais un autre perso multi. Bon, on verra. Alors, elle, tac. Au moins, un très beau jet que j'ai fait. Regardez, les résistances sont pourraves. Sur combien de résistances? Sur 5. Voilà, les dommages sont pourraves. Donc vous voyez, on a quand même fait pas mal de bénéfices. On a fait... Je vais la vendre... Pour la vendre plus rapidement, je vais la vendre à 1M4... 10, voilà. Donc je me suis fait 1 390 000 de bénéfices. Voilà, c'est juste énorme. Voilà, donc on a le premier prix. Voilà, donc ça c'est... panneau que Elendil m'a donné, donc je vais la garder, hein. Parce que de toute façon ça se vendra pas. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, j'ai rien fait d'autre, que je réfléchisse. Par exo nonobstant, j'ai essayé des exopéas sur Bruce, je dois être à 30 tentatives mais j'arrive pas, et comme ça m'énerve, j'ai pas vraiment de patience, j'ai envie de tout passer rapidement. Voilà, donc on va s'arrêter ici sur cette vidéo, je pense. On est déjà à combien de temps de vidéo, donc attendez. C'est comme ça. Alors, ah ouais, on a 15 minutes de vidéo, voilà. Donc on va s'arrêter ici. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et Oscar, je te laisse dire un petit mot de fin. Mais même si t'es pas sur Skype, voilà. Bon allez, bref. Allez, ciao tout le monde.